du requin. Et j'essaierai de m'en sortir. Pas sur les sols, je reste fort. Et mes larmes ne valent pas de l'or. J'ai trouvé bien que je perds pas non. Pas sur les sols, je reste fort. Pas sur les sols. Pas sur les sols, je reste fort. Je vais te demander, comme tout le monde, de te présenter. Eh ben Régis, ouais. Hors contrôle, ouais. Donc maintenant en mode one-man band, ouais. Depuis un an et demi, mais j'ai repris les concerts qu'en août 2023. D'accord, ouais. Voilà, ça va faire 10 mois, 8 mois que je tourne tout seul. Ouais, t'as enregistré un album d'ailleurs. Ouais, en mars dernier, ouais. Il s'appelle ouais. En Marge. Donc où je fais tout, hein, batterie, enfin boîte, c'est une boîte à rythme, mais programme boîte à rythme, basse et deux guitares, le chant, les chœurs, la production, tout. Ok, ouais. Et donc tout ça est enregistré, hein, c'est la technologie qui te permet de tourner. Exactement, tout j'ai trouvé en fait ce que je cherchais depuis longtemps, mais qui n'existait pas. Et en fait, il n'y a que Zoom qui fait cette console où en fait je peux enregistrer mes parties séparément et faire ressortir même la boîte à rythme en piste séparée. Quoi. Donc j'ai un kick, une caisse claire, des toms, des cymbales, c'est tout en piste séparée. D'accord. Ce qui est beaucoup plus simple pour les ingé-sons. Ouais. Et ce qui fait que ça ressemble plus à une batterie qu'une boîte à rythme finalement. D'accord, ouais. Et ça c'est génial. Mais il n'y a que Zoom qui permet de faire ça. D'accord. J'ai pas trouvé d'autres marques encore. Et donc en fait, ça sort pas sur une piste, c'est tout est séparé. Tout est séparé. Ouais. Ok, ouais. Et j'enregistre tout en fait. Vraiment, la guitare est enregistrée dans mon local, la basse. Et moi, je joue en direct une deuxième grade. Quoi. Ça existe depuis mars 2000, Touron, ouais, donc ça fait 24 ans. Alors j'ai commencé tout seul en 99, ça s'appelait TS99, ouais. Tout seul en 99. Et après j'ai trouvé un acolyte qui s'est mis à la basse, donc Thierry. Et on a tourné à deux pendant 5-6 ans. Après on a trouvé un batteur, Johan, en 2006. Un second gratteux en un ou deux ans après. Voilà. Donc on a fait 2, 3, 4. Et changement de line-up, changement de batterie, changement de gratteux, pour au final me retrouver tout seul là depuis un an et demi. Alors pour des histoires de on n'était plus compatibles au niveau de la vision qu'on avait du ouais. Truc. Quoi. Donc voilà, on s'est séparés en bon terme. C'était un petit peu chaud, mais finalement on est toujours potes hein, avec Pierre. Et je m'y retrouve très bien tout seul, finalement. Thank you.
influences. Il y a beaucoup de banlieues alors, rouges. Banlieues rouges entre autres, mais beaucoup de la houille allemande. Ouais. J'ai beaucoup écouté, un peu moins maintenant parce que je sais pas pourquoi déjà. Mais je suis un gros fan de Lokemi, de ce genre de groupe quoi. Non-Servium aussi, mais c'est pas mon style. Je me sens pas jouer du Non-Servium par exemple. Je suis plus proche de Lokemi, de banlieue rouge maintenant en plus, maintenant tout seul ça. Ça peut ça faire repenser aux premiers albums de banlieue rouge où ils avaient la boîte à rythme aussi. Ben voilà, après en France, Brigada, moi je suis un enfant de la Brigada. Quand ils ont lancé le morceau Rache, je lui dis putain mais c'est moi ça. Alors que avant j'y pensais pas trop, toi Skinhead, c'était encore. Moi j'étais encore à l'époque. C'est tout des faves quoi. Ouais, je connaissais pas ce milieu parce que nous on habitait à la campagne, hein, donc c'est pas ça quoi. Et quand Brigada a sorti ça, j'ai dit bah voilà, mais c'est ça. C'est ça. Donc moi je suis un enfant de la Brigada, un pur produit brigadiste. Ok, ouais. Un morceau qui va faire penser à mes jeunes années, ça s'appelle Classic Oil. Je voulais pas faire trop de politique et pas trop d'engagement parce que c'était pas mon truc. Et finalement, on s'est rendu compte, puisque la scène, même la fin des années 90, c'était quand même un peu tendu. Et il a fallu comme qu'on affirme notre antifascisme. On voulait pas trop. Et puis finalement, il y a des mecs qui disaient c'est des apôtres de droite, des machins. Donc on a fait beaucoup de morceaux. On a dit Antifa, l'Union fait la force, tous contre le nazisme. Donc maintenant, j'en suis revenu. J'ai arrêté parce que les gens savent, j'ai pu approuver quoi que ce soit. Voilà, autrement, je parle de. C'est ma vie. Ouais, c'est mes chansons, c'est ma vie, quoi. Je parle de moi, de mes angoisses. Il y a un morceau qui s'appelle Angoisse, d'ailleurs. Moi, depuis que j'ai 20 ans, la mort me hante à me faire réveiller la nuit. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chansons sur les potes qui sont partis, sur la mort, sur toi, suicide, tout ça. Enfin, voilà. C'est un peu... Ça tourne beaucoup, ça. Autrement, j'aime bien aussi chanter la fête avec les potes, la route, voilà, tout ça, quoi. Donc ça, ça parle de moi. J'invente pas grand-chose, finalement. C'est pas un roman. Ha ha ha.
pour dire, enfin, sur le parcours et sur ce que moi je dis dans mes chansons, mm-hmm. il y a aussi le fait qu'on essaie de professionnaliser la scène en ce moment-là, ça fait quand même quelques années, hein, pour ne pas citer les tourneurs, mais bon, beaucoup de tourneurs, où tu as des groupes qui étaient à 500 balles il y a 2 ans, puis maintenant ils sont chez le tourneur et c'est 2005 voire 3000, avec des riders de ouf, et ouais. du coup il n'y a plus la place pour les groupes lambda comme nous. Ils sont pas dans l'écurie. Exactement, et... hein, on n'est pas dans l'écurie, donc tu as des festoches où tu as tout le temps les mêmes groupes, ouais. toute l'année, tous les ans. Si tu as des plateaux, la place est à 30 balles. Quoi. Bah, c'est clair, oui. Non, mais, donc, quand tu as 5 groupes de l'écurie qui a 3000 boules, c'est pas 5 à 600. Hein. Ah non, c'est sûr. Voilà, c'est mon petit coup de gueule. Ça. Non à la professionnalisation de la scène. Mm. À bon entendeur. Voilà. Merci. Dire de plus, bah, je sais pas. N'hésitez pas à me contacter pour jouer, les gars. Bah ouais, carrément. Ouais, justement, ouais, tu disais que. Ah, ce que je disais tout à l'heure, voilà. Comme maintenant, tu es en one man, control alone. Il y a un peu plus de réticence parce que je pense que les gens s'attendent à un truc très simpliste et minimaliste, quoi. Ouais. La dernière fois, enfin, il y a pas très longtemps, j'ai joué. Le mec m'a demandé si je voulais une chaise pour jouer. Ah ouais. Bah, je pense qu'il me connaissait pas et je pense qu'il croyait que j'étais à la folk ou tu vois. Ouais. Et t'as vu arriver tout seul. Donc, voilà. Mais non, mais c'est électrique. Hein. C'est comme avant. Sauf que je suis tout seul. Ok, bah c'est cool. Voilà. Bah, merci beaucoup. Bah, au plaisir. Super. Merci. Merci à dans les mains.
et à tout le monde. Ciao.